La porte rouillée s'ouvrait sur une partie abandonnée de la station fermée au début des années 40. Quelque chose d'important se passait à Roscoe Street. C'est peut-être pour ça qu'Alex voulait qu'on se retrouve ici. D'une manière ou d'une autre, j'allais trouver la réponse. C'est pas bon. Tu crois? Prends soin. Oh! Ah! Ça devient excitant. Y'a que Pino, ouais, excitant. C'est con. La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Bouge pas! Ok les gars, la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. On a notre sortie de... Fusillez-le! Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous ? Et vous ? Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on se disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Bon sang, qui êtes-vous ? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaidait pas en ma faveur. Le butin des cambrioleurs était sur la table. Il ne recherchait que les bons porteurs Deezer Corporation. La réussite Deezer avait fait la une de toute la presse. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. En jugé par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite.
Et vous ? Max ! J'ai failli avoir une attaque ! J'allais te tirer dessus ! Alex, je suis content de te voir. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a plus de cadavres qu'à la morgue ! Attaque à main armée, un tunnel qui conduit directement au coffre de la Roscoe Bank par les murs de la vieille station. C'est l'équipe de Lupino ? C'est un coup de Lupino ! Ce sont ces hommes ! Tu sais choisir tes planques, toi. Tu veux sortir ? Non ! C'est fermé ! Faut qu'on sorte là ! Si c'est Lupino, c'est... Alex ? Alex ! Je ne pouvais rien faire. Il était mort. Il me suffisait de voir son regard vide et accusateur. Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces trois dernières années. Et là, je ne savais plus où j'en étais. J'étais tombé sur quelque chose d'important. Et j'avais fini par marcher sur les plates-bandes de Lupino.